Salut, c'est Lémondo. Toujours pour le projet We Love Rock'n'Roll. Quand j'étais jeune, il y a maintenant quelques années de ça, j'écoutais Lithium de Nirvana. Et maintenant, encore, et la preuve, on va jouer tous ensemble le 23 juin à Évreux. Donc ce morceau, je pense qu'il a vraiment fait bouger des générations entières. C'est un morceau qui va être assez sympa pour nous parce que là, on va avoir des sons clairs et des sons saturés. On va donc utiliser une pédale de distorsion. Au passage, moi, j'apprécie des fois, si je peux, m'équiper comme l'artiste en question. Donc ici, Kurt Cobain, guitariste et chanteur du groupe Nirvana. Donc la pédale de distorsion qu'il utilisait, c'était sur la plupart des morceaux, c'est une DS1 en fait, la distorsion boss. C'est la pédale orange. Qui va vraiment recréer ce son, qui est un son qui n'est pas la distorsion la plus propre, mais c'est celle qui va donner le maximum de high gain en fait, quelque chose qui vraiment qui rugit. Voilà, c'est pas une disto metal, mais c'est vraiment rock, punk, méchant, agressif, pas content. Au début, on est sur un arpège un peu lancinant, avec un petit côté dépressif. Donc, moi au niveau des micros, je prends un micro intermédiaire. Si vous jouez sur des doubles micros, dans ce cas-là, vous pouvez baisser un petit peu le volume. Pour tout de suite, j'utilise un chorus. Évidemment, pour vous, dans le projet, vous allez jouer le morceau à plus de 250 guitaristes. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de chorus, puisque le chorus simule deux guitaristes en même temps ou trois guitaristes en même temps. Donc là, vous allez avoir un chorus naturel qui va opérer le jour J. Le plan, la manière dont je le joue, donc il est très bloqué au niveau de la main droite, toujours une technique de palm mute. Regardez bien cette technique. Les vidéos de Kurt Cobain qui tourne sur la net, vous verrez qu'il a des pulls tout moches et qu'il est toujours comme ça avec sa manche qui recouvre le poignet. C'est donc plus du palm mute mais du pull mute, c'est-à-dire avec le pull, il est là. Et c'est ça qui crée cette sonorité. Si vous le faites avec la main, écoutez bien la différence. C'est pas bloqué, c'est pas feutré de la même manière. Donc vous choisissez peut-être un peu plus l'un, un peu plus l'autre. Mais essayez, alors il faut surtout, là je l'ai pas, mais un gros pull bien moche à rayures ou une grosse veste, une veste là, les chemises canadiennes en moumoute, ça marche bien. Regardez les vidéos, il avait beaucoup de pulls comme ça. Au niveau des accords, je vous laisse regarder avec la partition. L'important c'est de pas trop appuyer sur les ghost notes, les petites croix en fait. Hein, on essaie. Ensuite, la technique de médiator de Kurt Cobain est en mode aléatoire. Pour avoir regardé pas mal de vidéos, il fait bas, bas, haut, bas. Un truc qui pour moi est complètement illogique, irresponsable, impossible. On peut tout jouer vers le bas, c'est beaucoup plus simple. Moi je fais des allers-retours, je trouve ça assez sympa et assez chaloupé, assez entraînant. Les allers-retours, ils prennent tous leur sens, tout leur sens ici, pardon. Donc là, on a ce parti en slide en fait, et le slide, regardez bien. Le slide va manger mon coup vers le bas. Donc je repars vers le
vers le haut. Ok. Le slide prend une croche, donc ça me décale d'une croche. Donc regardez, ma main retombe vers le bas. Et là, je suis en rythme, ça donne. Équipé d'une pédale de distorsion pour le projet, vous mettez sur le canal saturé et vous rejoignez toute la bande sur les refrains et les pompes, d'accord. Il faut bien faire attention surtout de ne pas utiliser de son distordu à ce moment là et ça change à un moment très précis, donc on va essayer de synchroniser le changement. Le moment où ça change, ce sera sur la corde si, ré, démonstration. Regardez bien ici ce que j'utilise. Alors je vais rester en son distorsion et au niveau de la main droite, toujours bas, 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 bas. Donc Kurt Cobain, petite info, il jouait pas très fort ses cordes, hein. Stevie Ray Vaughan, lui, il joue vraiment très, il jouait très 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 fort. Il avait énormément d'attaques au niveau du médiateur. Kurt Cobain, non, il joue pas très fort, vraiment un peu lancinant, dépressif. Et il était particulièrement fan, je pense, de guitare acoustique parce que quand on le voit, il utilise vraiment des grands mouvements, hein. C'est pas Dick Dale. Dick Dale, c'est petit mouvement. Kurt Cobain, grand mouvement. Donc il fait aller-retour pour tout ce qu'on ait l'air d'être comme ça avec la main. Ensuite, il y a un pont, super facile, pareil, vous regardez la partage, vous avez les notes, vraiment un morceau scolaire, quoi. Voilà pour la... Alors là, j'ai fait comme si on était à la fin, où on laisse résonner le nid. Les coups de médiator, c'est toujours bas, haut, bas, haut, bas, sauf ici. Parce que là, j'aimerais bien tous qu'on lève la guitare et qu'on soit tous comme ça. Donc bas, 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 haut, avec une corde à vide. Bas, 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 haut, avec une corde à vide. Micro B, comme dans Joan Jett. Accord de mi 5, on laisse sonner comme ça et on coupe avant que les larcènes arrivent. Ok, voilà pour les coups de médiator. Je repasse ce petit passage au peigne fin avec vous et là je chante. N'oubliez pas qu'après le premier pont arrive le troisième couplet qui est un couplet basse où là la guitare ne joue pas. Donc on finit. Et basse. On attend et on joue pas. Attention à prendre en distorsion sur le couplet d'après. Ok, je pense qu'on a suffisamment détaillé ce morceau de Nirvana, qui est un morceau qui devrait bien sonner, à condition qu'on fasse très attention sur l'arpège du départ, puisqu'il y a juste le Charleston, donc il faut faire attention à être très régulier parce qu'on a peu d'informations et par expérience j'ai vu dans les répétitions des fois le riff d'intro me paraissait un peu imprécis. Mais merci pour votre énergie, n'oubliez pas de sauter partout, c'est le plus important, comme je dis toujours la devise de Kurt Cobain, l'important c'est pas ce que tu fais mais comment est-ce que tu le fais. Ciao.